Alors, au laboratoire de recherche en gynécologie, nous travaillons sur la congélation du tissu ovarien. C'est une technique que nous proposons aux jeunes patientes qui sont atteintes d'un cancer. Il faut savoir que les statistiques de 2018 démontrent quand même qu'il y a plus de 8 millions de patientes atteintes d'un cancer au monde par an, et dont 15% ont moins de 45 ans. Et donc, parmi ces femmes jeunes, il y a toute une proportion qui n'a pas encore eu d'enfant. Et l'idée est de leur proposer une stratégie de préservation de leur fertilité avant le traitement oncologique. Parce que la chimiothérapie ou la radiothérapie peuvent les rendre stériles et en ménopause. Alors nous pouvons leur proposer la congélation des embryons, des ovocytes ou du tissu ovarien. Et donc c'est là-dessus que nous travaillons ici au laboratoire de recherche. Et je vous invite à me suivre pour aller visiter ce laboratoire. Une fois que le tissu ovarien est prélevé en salle d'opération, il est transporté dans un milieu qui est mis dans un tube pour aller au laboratoire, là où il est coupé en petits fragments et congelé. Il est important que le tissu ne souffre pas pendant le transport, et donc au laboratoire de recherche, nous avons un projet qui étudie les meilleures conditions possibles pour ce transport et qui analyse également les nutriments et les sources d'énergie que le tissu ovarien a besoin pendant le transport. Quand du tissu ovarien doit être congelé, il est important de s'assurer de sa survie après congélation. Et donc, au laboratoire de recherche, on étudie différents protocoles de congélation et la survie du tissu ovarien après cette congélation. Nous utilisons des techniques de pointe pour analyser la viabilité des cellules après décongélation, comme par exemple la microscopie électronique. Le professeur Camboni a été formé à la microscopie électronique à Rome et c'est une technique qui permet d'agrandir la cellule jusqu'à 20 000 fois et qui nous permet d'analyser l'intérieur de la cellule après la congélation. Une fois le tissu congelé, il peut rester congelé dans la banque pendant des années. Mais si la patiente est guérie et qu'elle en a éventuellement besoin, elle va revenir pour une greffe. Alors avec cette greffe, c'est la transplantation des tissus ovariens décongelés, on a deux problèmes critiques, deux points importants. La première, c'est la revascularisation de la greffe. Et la deuxième, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de cellules cancéreuses dans les tissus qu'on va greffer. Pour le premier point, le tissu qu'on va greffer n'a pas de vaisseau, donc on doit attendre quelques jours pour que les vaisseaux de la patiente viennent revasculariser le tissu. Et pendant ce temps-là, on perd 50% du matériel précieux de follicules. Et donc, au labo de recherche, on essaye de trouver des stratégies innovantes pour avoir des nouvelles techniques de greffe avec des cellules souches adipeuses qui permettent de réduire le temps de revascularisation et donc de conserver un potentiel de fertilité qui est plus élevé. Pour le deuxième point critique, il est important de s'assurer que le tissu qu'on va regreffer ne contient pas des cellules cancéreuses. Et pour cela, on étudie maladie par maladie, quels sont les risques pour chaque maladie, avec des techniques de biologie moléculaire qui sont très précises et très pointues et qui nous permettent justement de dire si oui ou non, pour tel type de maladie, il y a un risque ou pas. Pour les patientes leucémiques qui ont du tissu ovarien congelé dans notre banque, nous maximisons tous nos efforts au laboratoire de recherche pour qu'elles puissent utiliser ce tissu ovarien pour leur fertilité future. Alors ça s'appelle le projet de l'ovaire artificiel. Il y a deux étapes. La première consiste à éliminer les cellules leucémiques du tissu grâce à des anticorps spécifiques. Et l'autre partie du projet, qui est l'ovaire artificiel en soi, est très challenging. C'est-à-dire qu'il faut aller isoler les follicules à partir du tissu ovarien et puis leur trouver une matrice pour qu'ils puissent mûrir comme il faut après la greffe. Et donc cette matrice est une substance gélatineuse qui va englober les cellules précieuses de l'ovaire et qui pourra être regreffée à la patiente. Nous avons la chance inouïe aujourd'hui d'accueillir deux personnes très particulières. Tamara, qui va avoir 16 ans demain, et sa maman, qui est la première femme au monde à avoir accouché après une greffe d'ovaire. J'ai dit oui. J'ai dit oui tout de suite. Je me suis dit, de toute façon, si moi je veux être maman aujourd'hui, il faut y aller. Donc, je leur ai fait confiance, en tout cas. Et on a regreffé donc, les ovocytes. Ben, ce qui était miraculeux, c'est que mon cycle ovarien s'est remis à retravailler. Et je suis tombée enceinte quelques mois plus tard, naturellement. Au mois de septembre 2003,
j'ai pu accoucher de mon bébé. Donc ça fait 16 ans aujourd'hui que j'ai le bonheur voilà, de savourer en tout cas cette belle chance en fait qui m'a été donnée et de profiter tous les jours avec mon bébé. Oui, je suis consciente, oui. Et je suis contente d'être née du coup. Mais oui, et je suis émue quand elle dit ça. En tant que médecin, ce qui me motive à faire la recherche, c'est vraiment l'innovation, donc les nouveaux traitements qu'on peut apporter et les nouvelles solutions pour nos patients. Mon rêve pour le futur est bien sûr, en tant que chercheuse, que nos projets aboutissent et dans le but, surtout en tant que clinicienne, que nous puissions offrir à chaque patiente la chance d'être enfin maman après être guérie de son cancer. Le soutien financier de la Fondation contre le cancer a été capital pour ce projet depuis le tout début parce qu'il a permis de développer les protocoles de congélation déjà en 1997 du temps du professeur Donné. Depuis, les projets ont continué à être soutenus par la Fondation et la recherche a fait d'énormes progrès, ce qui permet d'augmenter le succès de la greffe de tissu ovarien pour ces patientes atteintes d'un cancer.